ça dans ma poche toujours avec moi. Donc, à vous de voir. Hein. Bon, pour moi, c'est un truc que j'ai. Si jamais on me demande de faire quelque chose alors que c'est pas le moment de faire de la magie, bah, je dis ok. Si vous voulez que je fasse un truc, moi je veux bien. Enfin, vous savez, bon, c'est toujours ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, quoi. Donc, tiens, par exemple, si on prend la thune, je vous montre, j'ai pas pris beaucoup de liquide. Hein, vous voyez, j'ai ce que j'ai, quoi. Vous voyez, là, c'est 45, quoi. Donc, vous essayez de vous rappeler hein, de ça encore, d'accord. Bon, ça, c'est vraiment. Là, je suis tranquille dans la vie de tous les jours avec ma thune, mais je suis quand même magicien et on me demande souvent, mais comment vous faites, vous, pour vous faire de la thune, machin. C'est pas difficile. Bon, je mets la main du spectateur comme ça, je mets mon portefeuille, je fais passe magique, ou ça, ça dépend. Ça, ça me permet de, ou d'avoir l'illusion, ou vraiment d'avoir de la thune, quoi. Ça, mais vraiment de la thune. Hein. Merci beaucoup. En principe, je sais quand je fais ça, non, je plaisante, mais quand je fais ce genre de truc, ça calme les gens de suite. Ça les calme. Il y a juste un truc qu'il faut savoir, quand même. Hein. C'est que si jamais je montre aux gens que j'ai... tout l'argent que j'avais, quoi. Quand on n'a pas affaire à des gens tout à fait honnêtes, ça peut être dangereux, hein, parce que mine de rien, ça peut les tenter. C'est pour ça que moi, souvent, j'arme mon portefeuille en faisant ça, toujours. Vous pouvez vous dire, il est fou, à quoi ça sert? Ça, ça sert à rien. Oui, ça sert, parce qu'en fait, dedans, j'ai... Du coup, ça me permet d'avoir des... Bon, vous pouvez mettre votre attaque. Et en fait, j'ai des coupures de 500, des coupures de 200, j'ai des 100, j'ai toutes les valeurs. Mais bon, je dirais, là, on peut me prendre beaucoup plus au sérieux dans l'autre sens, si on peut dire. Parce que bon, bah, il est gentil, là, mais bon. Non, parce qu'on ne peut pas, sinon. Vous imaginez bien. Et en fait, pour voir si vous avez suivi... J'avais combien, avant que je vous raconte toutes mes élucubrations, là, j'avais combien dans mon portefeuille? 45 euros, mais fabriqué comment? Un billet de 20, deux billets de 10, un billet de 5, 45. Ouais. Vous pouvez le dire un peu plus près du portefeuille, parce qu'il entend, parce que c'est je suis magicien quand même. Hein. Vas-y, 45, un billet de 20, deux billets de 10, un billet de 5. Vous ouvrez vous-même le portefeuille, donc c'est le spectateur qui ouvre. Et dedans, il voit, il n'y a rien d'autre, il y a vraiment, comme au départ, un billet de 20, deux billets de 10 et un billet de 5. Et on peut, même si c'est personnel, examiner le portefeuille.